Mon père est un homme de bien. Il possède des magasins d'objets noirs et de choses carrées. Il est sujet aux rhumes en été. Le dimanche, avec ses amis, il fait des parties de rami. Ils boivent le vermouth et la bière en parlant de Madame Robert. Et moi, je suis l'affreux Jojo, le boisson soif, le téméraire. Je fréquente des vétérinaires qui viennent de la ville d'Oslo. Je me déguise en clergyman, abominablement barbu. Pour faire de l'élevage de tortues, je prends pension chez une vieille dame. Ma mère est une femme inflexible, la forte femme de la Bible. Elle a des robes en coton noir qu'elle range dans son armoire. Elle fait des pâtes et des gâteaux, elle me tricote des tricots. Elle a toujours été trop fière et elle n'aime pas Madame Robert. Et moi je suis l'affreux Jojo, le dynamiteur, l'exécrable. Je mets les coudes sur la table, en parlant je dis des gros mots. Je connais le veilleur de nuit d'un magasin d'iniquité. Il confectionne des objets en s'éclairant à la bougie. Mon frère n'aime pas les épinards et c'est heureux pour mon frère, car s'il les aimait, il en mangerait et ne peut pas les supporter. Il est de nature studieuse, opiniâtre et méticuleuse, mais il ne s'intéresse guère au cas de Madame Robert. Et moi je suis l'affreux Jojo, préposé aux chevaux vapeur de l'école anormale inférieure, où je fus abrégé de philo. Je lis mon journal dans le tramway, je trouve le métro détestable. Je pilote des dirigeables sur la ligne Abidjan-Sydney. Ma grand-mère est octogénaire, elle aime cultiver la terre. Elle coupe de l'herbe, elle plante des pieux, elle est contente quand il pleut. Son beau-frère avait un cousin qui connaissait un Autrichien, dont la sœur, petite couturière, avait connu Madame Robert. Et moi je suis l'affreux Jojo, je sors la nuit sans waterproof. Je compose un opéra bouffe sur la bataille de Waterloo. Je collectionne les conifères, les escargots, les parapluies, les papyrus hindoustanis. Et je connais Madame Robert.